les amis. Bon, alors, j'ai l'intention de me lancer dans une nouvelle activité. Et pour ça, j'ai décidé de voir quel était le jeu qu'on me proposait. Donc, pour ce tirage aujourd'hui, j'ai pris les oracles de Gaïa. Voilà. Et j'ai pris les portes de l'intuition. Voilà. Donc on va essayer de se concentrer malgré le bruit qui fait, parce que vraiment c'est un peu pénible. Donc je commence par Gaïa, on va voir le message qu'elle a à me dire. Est-ce que je dois ou pas me lancer dans cette activité? Est-ce que ça sera bon pour moi ou pas? Est-ce que je réussirai ou pas? On va prendre celle-là, parce que visiblement elle voulait pas rentrer dans la case. Et on va voir pour l'intuition. Pareil, même question. Est-ce que je dois me lancer dans cette nouvelle activité ou pas? Est-ce que ça va réussir ou pas? Est-ce que je vais pouvoir ou pas faire... Ah. Alors, il y en a deux. J'aurais dû les prendre peut-être, je sais pas. Ah, bah pour le coup, là, t'as pas le choix, elle est tombée. Donc voici les deux cartes. Donc ici, c'est mon intuition. Qu'est-ce qu'elle me dit, mon intuition, quand je vois l'image sans regarder? Mon intuition dit que ça va marcher. Mon intuition dit que j'ai les marches à monter, que c'est le moment, que ça se passera bien et que j'ai raison de me lancer dans ce que je veux faire. Que me dit le message? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Bon, maintenant, message de Gaïa. Qui est... Terre-mère sacrée, message d'amour. Donc j'ai pas trop l'habitude avec Gaïa puisque c'est pas sur l'intuition, mais en fait c'est pas sur l'intuition, mais quand je vois le cœur, je me dis déjà que c'est positif. C'est positif. Ça monte, la terre-mère sacrée, donc c'est positif. Ça c'est ce que je ressens moi, c'est positif. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret? Le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit? La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve un chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès et vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Alors, l'affirmation positive pour aider, c'est « Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme, je suis pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. » Voilà. Donc, merci beaucoup à Gaïa, merci beaucoup à mon intuition, car grâce à vous, je sais maintenant ce que je dois faire vis-à-vis
de cette nouvelle porte qui s'ouvre devant moi. En attendant un nouveau tirage, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Bye.